bien, mes premiers mots, déjà, c'est de remercier très chaleureusement l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance. Et puis un message pour les électeurs qui n'ont pas voté pour moi, leur dire que je suis une présidente de rassemblement, d'unité. Ils peuvent compter sur moi pour porter la région des Pays de la Loire, d'aller de l'avant, et surtout après cette période. J'ai mené une campagne de sincérité, avec beaucoup de détermination et aussi d'humilité. Et je pense que l'humilité, c'est ce qui doit animer l'ensemble des politiques. Cette campagne fut dense, intense. J'ai souhaité une campagne de clarté. J'ai souhaité une liste aussi de rassemblement de la droite et du centre. Et je remercie l'ensemble des colistiers, l'ensemble de mes équipes. Et puis, cette campagne fut difficile. J'étais face à une gauche rassemblée, une gauche dure, une gauche de la décroissance qui a aussi perdu sa boussole. Et le message aujourd'hui que je souhaite porter, c'est pour la droite. La droite, quand elle est unie, la droite, quand elle est rassemblée, elle gagne. Cette droite ne doit pas se rétrécir. Cette droite doit au contraire s'ouvrir, se rassembler. Ça nous donne beaucoup de perspectives. Cette droite libérale que je porte, cette droite européenne, cette droite forte sur le régalien, elle gagne. Ici, on le voit, en région Pays de la Loire, cette droite centrale que je porte. Merci, merci vraiment à tous. C'est pour moi aussi le fruit de la reconnaissance d'un travail engagé depuis 3 ans. Et j'ai envie de dire que à l'ensemble des Ligériens qui peuvent compter sur ma détermination, cette victoire ce soir me donne encore plus d'énergie, encore plus de force pour me battre pour notre belle région.